Baba, God loves everyone. Papa, l'amour de papa aime tout le monde. I have to receive. Je dois recevoir and feel God's love. Et sentir cet amour de Dieu. And then share this love with everyone. Mais ensuite, je partage cet amour avec tous. Spread the vibrations of love in the world. Je répands les vibrations de l'amour dans le monde. God's love is consistent. L'amour de Dieu est constant. It brings power in the soul. Cet amour apporte du pouvoir à l'âme. He is ocean of peace. Il est l'océan de paix. I am a peaceful soul. Je suis une âme paisible. I spread the vibrations of peace. Moi, l'âme paisible, je répands les vibrations de la paix. Baba is almighty. Baba est l'autorité toute puissante. I take the inheritance of all powers from Baba. Je prends l'héritage de tous les pouvoirs de Baba. And share the vibrations of powers. Et je partage ces vibrations de pouvoir avec tous. We all have to maintain. On doit tous maintenir un niveau aimant, puissant et paisible. Very stable, unshakable and full. Quand on est stable, on est inébranlable et empli de tous les pouvoirs. So I take power from Baba. Donc je prends le pouvoir de Baba. Je prends son drishti pour expérimenter l'amour de Baba. Paix. Powers. Pouvoir.
Dadi Prakashmani, le joyau de lumière, instrument, humilité et douce parole, jour 7. La bhavna d'être un instrument. De douces paroles, l'humilité dans le service au monde entier. Un joyau de lumière, un joyau de lumière, Dadi Prakash Maniji. Aujourd'hui, on nous demande, Dadiji, comment se fait-il qu'il y a autant d'agressions contre les femmes? Je dirais, il y a autant d'agressions qui sont faites aux femmes qu'il y en a qui sont faites aux hommes. Ça se passe pour les deux côtés. Toutefois, les femmes sont gardées en avant parce qu'elles sont des mères. À la maison, pour quelque raison que ce soit, c'est la mère qui écoute. Elle doit faire face, elle doit tolérer. Dans les maisons, les mères sont comme des mères religieuses. Elles ont du respect. Dans leur maison, il y a le respect, les principes et la dignité pour que ce soit élevé. Dans l'histoire ancienne, dans les Écritures, on a eu plusieurs exemples des mères qui étaient louées, louangées. Plus que moi, vous êtes plus éduquées et conscientes. Et spécialement à Bharat, il y a les 9 déesses, les 9 Durgas, qui sont louangées 2 fois par année. Il y a beaucoup de festivals. Et ces jours-là, on nomme les mères spécialement. On va demander, Jagadamba est-elle la mère du monde? Est-ce que c'est seulement Jagadamba que l'on louange? Est-ce que c'est la même Jagadamba, la mère, qui a tué les démons? Ou la mère, celle qui est vicieuse? Comprenez bien l'intention de mes paroles. Comprenez. Demandez-vous quelles sont ces femmes qui ont tué les démons, celles qui ont rendu les âmes pécheresses en âmes charitables, comme une mère qui chante une berceuse à ses enfants, ou encore qui est sous l'influence des vices tout au long de sa vie. Qui est celle qui est Jagadamba? C'est la mère du monde. On l'appelle Durgama, Sarasvati Ma, Ambama, Kalima, ce sont toutes les déesses. Plusieurs mères sont louangées à travers ces 9 divinités. Il y a des déesses de la connaissance. Où est celle qui chevauche le lion, la Shakti? Aujourd'hui, on est devenu faible parce que nous avons abandonné notre estime de soi.
Shanti, Om Shanti, bienvenue à Vyakti Pariva. C'est le jour 19, le Murli, source de vérité, souvenir, les augures, le paradis. Écoutons maintenant Mohini Didi, c'est le jour 19. Om Shanti. Om Shanti. In India and en Inde et partout dans le monde où il y a des gens avec un background de tradition indienne, ils sont en train de... Ils fêtent les neuf déesses, les Durgas. Alors, ils jeûnent. Et aujourd'hui, c'est le septième jour. Et demain, ils célébreront. Elles vont nourrir des poupées, je pense, des kanyas. Et aussi, Baba vient, il respecte aussi les kanyas. Et les mères aussi, les pandaves, mais les kanyas aussi leur propre journée. Et la signification, il y a des vertus spéciales, des pouvoirs pour chacune des déesses. Et comme Dadi a dit, tout le monde est appelé Ma, mère. Durga Ma, Sarasvati Ma. Et aussi, elle nous a rendu conscientes de que nous sommes toutes ces déités. Nous avons toutes ces vertus et ces déités. On n'a qu'à s'en rappeler. Combien d'entre vous peuvent souligner qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous y pensez? Vous êtes décoré avec tellement d'armes et ce sont des armes de pouvoir, de la connaissance. Remembrance is the most important. Le souvenir, c'est ce qu'il y a de plus important. Un souvenir facile, mais aussi, Baba a dit aussi que cela peut être plus difficile. Alors, le souvenir, ce n'est pas difficile, mais on oublie à cause de notre intellect, parfois notre esprit, parfois les deux. Non seulement on devient impliqué, mais on devient aussi enchevêtré dans toutes sortes de directions. Parfois, ça peut être tout petit, des petites situations, complètement toutes petites situations. Et on doit faire attention à chacune de ces situations. Mais on doit aussi penser jusqu'à quel point je dois utiliser mon intellect dans cette situation. Je sais que pour moi-même, quand j'ai des situations, on a besoin d'organiser ou de,
On a besoin de pouvoir penser, réfléchir. Mais le succès dépend d'abord de mon souvenir de papa. Ainsi, à ce moment-là, mon amour émerge, je suis paisible et je fais mon service avec beaucoup de bhavana. Donc, aussitôt que l'intellect est distrait, on oublie papa. It's not just a question of sitting and remembering. Donc, ce n'est pas seulement s'asseoir et se souvenir, mais c'est avoir cette pensée, c'est la tâche de papa, j'appartiens à papa, tout appartient à papa. Cette conscience que l'on doit avoir tout le temps pendant que l'on fait des actions. Et cela doit être surligné et on doit y porter plus attention. Et ensuite aussi, les relations. Dans les relations, c'est la même chose. Au petit matin, quand je me réveille, je dis, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mes parents. Et c'est beau, Shiv Baba est mère, Brahma Baba est notre mère, Mama est notre mère. Alors, toujours de beaux sentiments pour Shiv Baba, tu es ma mère, tu es mon créateur et je suis ta création, je suis ton enfant. Juste la relation avec notre mère au petit matin. Et ensuite, après l'Amrit Vela, on est contente d'entendre Baba comme professeur. Et on se dit, ah, qu'est-ce que Baba a à nous dire ce matin? Et ensuite, il nous enseigne et il nous donne des directives pour toute la journée. Le Murli nous donne des directives pour toute la journée. Spirituellement, ce que je dois faire, mais ensuite, je dois l'intégrer dans mes tâches, dans mon service, le service que je dois faire. Baba, dimanche a parlé de qu'on est dans la compagnie de Baba. Et on doit sentir cela, que nous sommes dans la compagnie de Baba, en compagnie de Baba. Et aussi, je suis un compagnon très coopératif pour papa. Et mon attention, c'est que je dois devenir comme Baba. Alors, ce but doit toujours être là. Parce que toute la journée, mon travail, c'est d'accumuler mon revenu à travers mon souvenir. Et je dois accumuler ce revenu à travers le souvenir. Et parfois, dans la soirée, quand on y pense, on fait notre journal, et combien ai-je accumulé? Souvent, on est tellement pris dans ce que l'on fait. Ce n'est pas qu'on doit s'asseoir, mais on doit faire quelques minutes de traffic control par jour, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Pour ainsi faire une pause et me souvenir de papa. Donc, le souvenir, Baba se rappelle de ces âmes qui sont dans l'attachement. Et je sais ça parce que les âmes me disaient, je veux voir Baba. Elles disaient tout le temps, Baba, Baba.
So when there is very, very natural, Alors, quand c'est naturel, quand c'est un amour naturel pour Baba, et aussi quand on se souvient que l'on devient, que l'on doit devenir des déités, et c'est grâce au souvenir que je le deviens. Et ainsi, Baba, dans tous les mots qui sont utilisés dans le Murli, nous donne des indications ce qu'il fait et comment il le fait. Tous les mots nous le rappellent. Les dadis ont eu beaucoup de chance d'avoir vu Brahma Baba. Moi aussi, je l'ai eu un peu quelques années, mais on a vu Brahma Baba dans le souvenir, en train de faire ses tâches. Et il avait aussi beaucoup à s'occuper. Il avait 300 âmes sous sa responsabilité et il avait des situations, des obstacles difficiles et aussi des obstacles intérieurs qui venaient. Mais il était le plus possible dans le souvenir et utilisait de plus en plus le pouvoir du silence et la solitude. Baba dit, allez, aussitôt que vous avez le temps, allez dans la solitude et allez dans le silence. Allez intérieurement. Peu importe où vous êtes, être en solitude, c'est dire, moi, l'âme, je suis ce point de lumière au centre du front et j'ai Baba avec moi. La solitude. Baba dit l'exemple comme l'amoureux et l'amoureuse quand ils sont assis ensemble, quand on veut les voir, on ne peut pas les voir parce que ils veulent toujours être ensemble. Je raconte cela parce qu'un jour, j'étais dans une conférence et ils étaient deux, puis je les voyais toujours disparaître parce qu'ils étaient pris dans la foule, 200, 300 à la conférence. Et ces deux-là partaient parce qu'ils voulaient être ensemble. Et la solitude, ce n'est pas ça. La solitude, c'est être encore en train, c'est être comme le couple, être les deux amoureux ensemble. C'est ça, la relation avec Baba. C'est cette relation amoureuse avec Baba. Mais aussi savoir que toutes les acquisitions nous viennent de Baba. Spécialement, plus je suis dans le souvenir, plus les augures de Jupiter sont avec moi. Cela veut dire que je suis en train de monter sur la voie d'ascension. Sinon, on fluctue et on monte et on descend. Mais on est constamment en train de monter quand on est sous les augures de Jupiter. Même si on est tous purs, si mon passé, mes actions passées sont brûlées par mon souvenir, ainsi je deviens Sato Guni, Sato Pradhan. Et à ce moment-ci, spécialement, parce qu'il y a beaucoup de climat de tamou, on doit faire attention, on doit tellement dans notre énergie sato que l'énergie tamou ne nous affecte pas. Sinon, beaucoup de gens parlent que ce n'est pas que le corps qui devient malade, mais c'est beaucoup d'effets, c'est beaucoup de maladies mentales
ce que l'on entend des gens qui sont en train de se remettre. L'énergie est tellement basse qu'ils ne savent même pas où ils en sont. Et ces jours-ci, je dis à chacun, si vous voulez vraiment vivre dans le monde extérieur, votre énergie va de plus en plus baisser. Et si ma source, c'est Dieu, et que je maintiens des pensées aimantes et mon énergie deviendra Satoguni Satopradan, elle s'élèvera. L'énergie Satoguni et l'énergie Satopradan, c'est l'énergie que l'on prend à travers le souvenir de Baba. Et cela va nous protéger. Sato, ça veut dire pur, propre, paisible, aimante, joyeuse. Sinon, on est entouré par la peine, la peur et beaucoup de vide. Un vide intérieur, mais aussi aujourd'hui, on parlait à Dr. Preta pour savoir comment tout le monde allait à Madhuban. Et il a dit, dans les villes qui sont habituellement très, très nombreuses, les villes sont vides, ils veulent rester à la maison. Et ils sont à la maison, mais ils ne savent pas trop comment passer leur journée. Mais les villes sont vides et les gens sont à la maison. Alors, c'est vraiment une situation critique, mais on doit se rappeler qu'on doit se souvenir, qu'on doit être Satoguni et être extrêmement aimant et extrêmement joyeux. Et je dis extrêmement sciemment parce que cet amour puissant, cette bhavna, est très, très importante parce que je ne donne pas vraiment, mais je me donne à moi-même et ensuite je partage. Et aussi l'amour, la joie extrême. Tous les enfants de Baba, parfois on est seul, on se sent. Il n'y a pas beaucoup de mouvement autour de nous, même quand souvent on vit seul. Maintenez votre énergie Sato et votre compagnie avec Baba et jouez les belles chansons et soyez en train de les écouter. Pourquoi on fait des petits moments angéliques? Parce que on en a besoin pour les sanskars de l'âge d'or. Et ils nous montrent Sri Krishna qui danse avec les gopis tout le temps. Alors, ce n'est pas nécessairement externe, mais c'est interne, à l'intérieur. Oui, vous devez être introverti, mais vous devez aussi être joyeux, même si vous êtes introverti. Alors, le souvenir, les degrés qui montent, aller de l'avant, progresser, être toujours sur la pente ascendante et toujours garder avec vous les bénédictions que l'on reçoit de Baba. Avec joie, créez votre fortune et aidez les autres aussi à créer leur fortune. Je me rappelle, une fois, Baba a dit, faites une petite graine de moutarde, rendez une montagne à la grosseur d'une petite graine de moutarde et soufflez dessus. Faites-la partir. Parce qu'elle est petite, alors vous pouvez, Tali Janki nous disait, si vous voyez des situations trop grandes, vous ne pourrez pas
réussir. Alors d'abord, vous vous dites, c'est pas très, très, c'est pas une très grosse chose. Et ensuite, vous pensez à comment vous allez vous en occuper. Mais si vous dites, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est tellement gros pour moi. Alors, ceux qui sont stables ont de la confiance, sont sensés, ils comprennent et disent, ouais, très bien, on va faire cela comme cela. Et aussi, c'est un moment où on ne doit pas devenir confus parce qu'il y a beaucoup de ces énergies qui vont empêcher de prendre des décisions et nous rendre insécures. Donc, le souvenir de Baba est être joyeux et heureux et faire toujours très attention aux autres autour de nous. Des mots aimants, c'est une belle façon de prendre soin des autres. Même un petit coup de fil avec enthousiasme, vous écoutez, vous parlez au téléphone, quelques paroles au téléphone. Ainsi, elles oublient ces âmes qu'il y a de la peine. Alors, allez de l'avant grâce aux souvenirs et dans la pente ascendante, cela me fait me rappeler que les augures de Jupiter sont sur moi. Tout le temps. Baba est avec moi. Les augures de Jupiter sont avec moi. Parce que Baba, c'est Jupiter. Celui qui fait notre fortune. C'est pour cela qu'on offre Bogue le jeudi. Sadhguru, la graine de l'arbre, le père de l'arbre vivant. Alors, le souvenir de l'unique nous rend Satupradhan. Et ce sont les augures de Jupiter sur nous. Et il n'y a qu'une seule méthode, c'est le souvenir de Baba. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. We'll get our practice point for tomorrow's muli. On va avoir nos éléments de pratique pour demain. Bienvenue à Brodorken. Om Shanti. Mes beaux belles sœurs et frères, mes beaux frères. Om Shanti Didi. C'est tellement beau d'écouter Dadiji, Prakashmani, et se souvenir le rôle des mères, et aussi écouter ton insistance, je crois, que l'on devienne de plus en plus aimant, de plus en plus comme Baba, de plus en plus compréhensif, ou comprendre de mieux en plus ce qu'il nous donne. Et le Murli, c'est cela. Et la plupart des gens commencent avec les nouvelles à la télé ou sur leur iPhone. C'est le Murli de Ravan. Et nous, on commence avec le Murli de Baba et c'est tellement différent. Il nous donne une façon de comprendre les vraies situations de l'intérieur. Aujourd'hui, avec l'idée des augures, et les gens regardent les augures avec beaucoup de superstition, qu'il y a beaucoup de superstitions qui viennent des planètes. Mais nous, on sait que les augures sont les bonnes augures. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en sorte qu'elles travaillent pour nous. Et parce que nous sommes à l'âge de confluence, et parce qu'on est très caldarchi, et parce qu'on voit tout, et qu'on a juste quelque chose à faire au présent. On ne peut pas changer le passé, on peut changer l'impact du passé sur nous, mais on ne peut rien changer de ce qui s'est passé. Et on ne peut pas s'inquiéter du futur, donc on doit se concentrer sur le présent qui est l'âge de confluence. Et c'est une invitation continuelle
C'est une façon, c'est l'âge de confluence. C'est une invitation permanente de Baba à regarder nos situations, notre situation, et de porter une attention particulière à l'étude et devenir comme Baba. Parce que si j'oublie qui je suis et que j'oublie à qui j'appartiens ou que je suis en train de faire ou est-ce que je m'en vais, et c'est intéressant comment Baba nous donne différentes informations sur les augures. Par exemple, il parle des mères, les femmes, les mères peuvent être désespérées parce qu'elles sont agressées. Et Baba, elle se rappelle de Baba avec tellement d'amour. Elles sont dans les liens, mais on pourrait dire qu'elles sont sous les mauvaises augures. Mais non, elles ont beaucoup de souvenirs. Elles grandissent leur besoin de leur façon de faire attention et de ne pas oublier. Et de ce sont les bonnes augures qu'elles ont et qu'elles peuvent développer. Écoutez, comprendre le cycle, ça nous fait tomber deux murs. Le premier mur, qui est la fin de notre vie physique. Et si je vois au loin mon futur qui s'en vient, et selon l'âge du temps, et ça brise aussi le mur du passé. Et cette vie, ce n'est qu'un chapitre dans tout ce que je vais vivre. Je sais que j'ai le sanskar de la perfection. Je sais aussi les sanskars d'imperfection. Mais quand je suis lumineux, mes sanskars originels augmentent. Mais sinon, quand je suis un peu plus ténèbre, c'est un peu plus la noirceur, c'est les autres sanskars qui apparaissent. Nous sommes les déités. Je me souviens une petite histoire que Dadi Guzar racontait avec les RC, les coordonnateurs régionaux. Elle nous demandait quels étaient nos efforts et qu'est-ce que l'on faisait avec nos sanskars. Et chacun avait sa réponse. Et moi, j'ai répondu, je travaille sur les sanskars de perfection. Je peux être probablement parfait pour 5 minutes à la fois si je fais ressortir ces sanskars qui sont enregistrés devant moi. Mais je peux accéder grâce à Baba à certains sanskars que je sais qui sont des bons sanskars qui vont ressortir. Et Ken dit qu'il aime cette idée, mais elle a dit que ce n'est pas suffisant. Elle dit qu'on doit être très conscient de ce qui nous fait descendre. Alors, on doit être conscient de ce qui nous fait monter, mais on doit aussi être conscient de ce qui nous fait descendre et être très honnête avec Baba pour corriger la situation. Donc, les augures de Jupiter, c'est Baba lui-même, parce que Jupiter, c'était le dieu important chez les Romains. Il s'appelait Jupiter chez les Romains. Et jueves en espagnol, ça veut dire jeudi. Et Jupiter, c'est Jupiter. Alors, jueves, jeudi, c'est le jour de Jupiter. Alors, c'est intéressant comment tout cela fonctionne ensemble. Alors, on a les meilleures possibilités, la meilleure aide, la meilleure compagnie, et on doit l'utiliser au mieux, certainement. Aujourd'hui, on a commencé à l'Amrit Vila. Baba, je t'appartiens complètement. Rien ne m'appartient. Baba, je t'appartiens complètement. Et qu'est-ce que je dois me préparer dans le mur-lit.
après la Mirvela. Et au moment du Murli, quels ont été les signes qui m'ont indiqué que j'ai vu les augures de Jupiter? Et je peux avoir ces expériences de la compagnie de Baba. Je peux m'en rappeler plus facilement. Les possibilités de service, par exemple, cela va me montrer que j'ai les augures de Jupiter sur moi. Pendant les traffic controls, c'était l'idée d'arrêter, de regarder s'il y avait quelque chose qui se passait, qui m'empêchait de respirer ou qui m'étouffait. Et de toujours rester en lien avec le Murli et les bénédictions de Baba quand nos situations dans la journée passent. Et pour ce soir, on va regarder dans quelle mesure mon troisième œil a été ouvert aujourd'hui. C'est ce qu'on pourra. Comment j'étais dans la possibilité d'utiliser la vision de Baba ou le drishti de Baba. Pour demain, alors si on regarde le beau mot au centre, c'est l'amour. Et le deuxième plus grand mot, c'est bonheur, c'est heureux. Alors l'amour, heureux, puis illimité. À comprendre. Alors, si je regarde, si on écoute le Murli, on va voir que le mot intellect est entre les deux. Quels sont les signes qui ont fait en sorte que notre intellect devient vaste? Alors, les signes, quels sont les signes des enfants qui ont un intellect vaste et limité? Et pour les traffic controls, je vais vérifier si ma vision de fraternité est pure. Alors, ma façon de regarder les autres. Alors, les signes des enfants qui ont un intellect vaste et limité, c'est pour le Murli de demain. Et la question, à chaque fois que quelqu'un vient dans mon esprit, je me rappelle des autres âmes, comme elles sont pures. Et c'est ce que je peux vérifier au Traffic Control. Et le troisième élément pour le journal de demain soir, dans quelle mesure est-ce que j'ai expérimenté être à l'âge de confluence? Alors, ce sera pour le journal de demain soir. Et pour l'Amrit Vela de demain matin, moi, l'âme, je suis assise sur mon trône immortel. Moi, l'âme, je suis assise sur mon trône immortel. Alors, comme je suis immortel, même si je quitte le corps, je suis immortel. Alors, moi, l'âme, je suis assise sur mon trône immortel. Alors, amusez-vous demain. Ayez un moment agréable avec le Murli et tout au long de la journée. Om Shanti. Thank you, Brother Ken. Merci, Brother Ken. C'était merveilleux. Yes. Everything is getting. Moini dit tout. Devient de mieux en mieux pour chacun d'entre nous. Tout devient, c'est l'expérience. Ken dit, ça devient de plus. On a simplement besoin d'être détaché de tout, en fait. Et quand on sait que tout appartient à Baba, c'est encore plus facile d'être libre de toutes ces attaches. Merci pour ton partage. Om Shanti. Om Shanti de Ken. Om Shanti, Om Shanti, bienvenue à Vyakti, le voyage à Vyak. C'est les histoires
de ceux qui sont devenus des instruments de Dieu, c'est Adidev. Et c'est la partie 16, l'établissement de Pandav Bhavan. Pandav Bhavan, c'est la l'établissement de Pandav Bhavan. Pandav Bhavan, c'est le palais de l'armée de Shiv Shakti Pandava, l'armée des Pandavas. Cet endroit est également connu sous le nom de Madhuban, où le plus doux de tout Baba vient et nous libère de toute l'amertume du monde et nous rend aussi doux que les déités. Le jardin de Baba. Baba aimait les fleurs. Il a surtout fait un beau jardin à Pandav Bhavan. Baba disait, dans ce jardin, vous trouverez toutes sortes de variétés de fleurs. Je donnerai ces fleurs et ces fruits directement à tous mes enfants. Chaque fleur de ce jardin a sa propre signification spirituelle. Dans ce jardin divin, certaines fleurs poussent encore, tandis que certaines autres sont devenues des tournesols qui sont toujours tournés vers le soleil de la connaissance. Certaines d'entre elles sont des roses spirituelles qui sont des esprits remplis de nombreuses vertus divines. D'autres sont du jasmin qui répandent le parfum de la pureté. Et certains d'entre elles sont devenus des fruits remplis de la pulpe de la connaissance. C'est ainsi que ce beau jardin deviendra un instrument pour donner des connaissances aux enfants qui viendront en visite. Souvent, Baba avait l'habitude de divertir les enfants d'une manière spirituelle. Une fois, avant d'aller en classe, il a pris des dispositions pour apporter des fleurs à la fin de son cours. Après avoir fini de parler, il a demandé aux enfants, « Aujourd'hui, quelqu'un viendra et vous donnera à chacun une fleur en fonction de votre niveau. » Tous les gentils enfants ont commencé à s'inquiéter. Baba souriait doucement en regardant leur visage. C'était juste un moyen pour Baba de permettre aux enfants de vérifier leur niveau. Mais en réalité, Baba offrirait à chacun la même fleur à la fin. Avait également planté de grandes vignes dans le jardin. Chaque année, lorsque les raisins mûrissaient, Baba écrivait une lettre remplie d'amour et envoyait un panier de raisins à tous les lieux de service. Baba écrivait le nom de chaque enfant et s'assurait que les enfants recevraient ces raisins sucrés de Madhuban. Juste à côté du jardin, Baba avait également construit sa petite hutte. C'était très simple de l'extérieur. Cependant, quiconque allait à la hutte se sentait toujours léger et insouciant en présence de Baba.
Cette hutte était l'endroit où Baba s'assoyait et écrivait des lettres pleines d'amour pour tous ses enfants à travers le monde. La cabane était également esthétique de l'extérieur. Baba avait conçu une belle verrière pour le plafond et une ampoule au sommet. La nuit, cela ressemblait à un phare au milieu d'un océan. Tous les bateaux perdus dans l'océan ont pu trouver leur chemin à travers ce projecteur de la hutte de Baba. Ayant fait tant d'installations pour les enfants, pour tous les enfants, Baba lui-même a décidé de rester dans une chambre très simple et toute petite. Beaucoup d'enfants demandaient à Baba, « Baba, tu as travaillé si dur pour établir ce Pandav Bhavan. Ce serait bien si tu restais aussi dans l'une de ces nouvelles chambres. » Mais Baba disait simplement, « Enfant, Baba vient dans ce monde, dans ce vieux monde, dans un ancien corps, un vieux corps pour vous donner le droit au nouveau monde. » Juste comme ça, Baba est heureux de vous voir dans ce nouveau Bhavan. Ce père est un serviteur spirituel pour le monde entier. Donc, pour un domestique, cette pièce est assez bien, est très bien. La main de Baba est toujours restée dans la posture de donner. Il était détaché de toutes les installations physiques. C'est ainsi que le jardin de Baba, la hutte de Baba et sa chambre ont été construits avec une fondation très basse, de purs sentiments et de bons souhaits pour ses 12 enfants longtemps perdus et maintenant retrouvés. मुझको है कुटिया ही प्यारी आज भी बाबा लगता है जैसे खत लिख रहा हूँ कुटिया में बैठे ऐसे सभी को अनुभव होते जैसे आमने सामने हो जैसे आमने सामने हो मथुबन में बगिया बगिया में कुटिया कुटिया में बाबा बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो जैसे आमने सामने हो continuez suite la semaine prochaine.